Aujourd'hui, je rencontre Cléo Goldbrenner, entrepreneuse et maman dédiée. Née à Paris et élevée à Bruxelles, d'où elle crée son univers de sacs urbains et contemporains. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va, Cléo? Bienvenue. Ça va? Santé. Santé. Quand est-ce que tu t'es réalisé en fait que tu avais un talent pour le créatif? Je crois que j'ai toujours eu ça en moi. Et c'est en fait lors d'un voyage à Chicago, j'avais acheté une très grande chapka en fourrure, très très grande. Et tout le monde me regardait dans la rue. Et donc j'étais là, mais c'est marrant, tout le monde qui me regarde pour cet accessoire. Et je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait c'est ça, quand un accessoire est fort, tu peux être habillé de manière très simple et en fait directement on te remarque. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai lancé ma marque. En parlant des autres rêves, si tu pourrais boire un cocktail avec quelqu'un, avec quelle personne ça serait? C'est mon mari, ça fait tellement du bien. Cléo, dis-moi, ça te fait quoi quand tu vois quelqu'un se promener avec un sac Cléo Goldbrenner? Quand tu vois une femme qui est bien habillée dans la rue, et alors je la regarde, et puis tout d'un coup je tilte sur son sac et je me dis « Ah, elle a un sac à moi !» C'est vrai que c'est vraiment génial. Née à Paris, élevée à Bruxelles, ces deux villes, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, c'est vraiment deux villes que j'adore. Paris, pour moi, c'est vraiment la ville qui m'inspire. Et je trouve qu'à Paris, il y a une vraie élégance. Les filles sont hyper élégantes, elles peuvent être habillées, très la parisienne touch. Et Bruxelles, ça, c'est vraiment ma ville. Quelles compétences est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir réaliser des rêves? Vraiment y croire et y aller à fond, aller jusqu'au bout de ses rêves et s'entourer des bonnes personnes. Pour le futur, qu'est-ce que tu aimerais bien encore réaliser? J'ai vraiment envie encore de grandir. Donc globalement, je dirais de continuer à rêver. Cléo, merci beaucoup pour cette discussion inspirante. C'était chouette.